les clochers des mondes. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique concert du Jazzophone, les concerts de la semaine dans la région. Alors on attaque par un gros morceau, ce vendredi 13, c'est le retour de Magma. Magma qui sera au théâtre Lino Ventura. Magma avec une formation augmentée du pianiste Bruno Ruder, avec bien sûr Christian Vander, Stella Vander, Isabelle Folbois, Philippe Buissonnet, etc., etc. Magma qui viendra présenter son album Slack Tanks, dernier album de la formation. Donc un répertoire nouveau, quelques titres anciens aussi au répertoire, comme le fameux Contarcos dans une relecture. Donc un concert à ne pas manquer, le concert de Magma, au théâtre Lino Ventura à Nice, avec en première partie le groupe Ruptus de Jean-Marc Macarini. Voilà pour le grand concert de la semaine. Il y aura aussi, bien sûr, beaucoup d'autres concerts. Le 12, jeudi 12, au Chapeau, la rue Rossetti à Nice. Il y aura le quartet du trompettiste José Caparros. Au même endroit, le lendemain, vendredi 13, il y aura Marjorie Martinez, accompagnée de Linus Olson à la guitare, Gilard Lopez à la basse et Alain Stonato à la batterie, pour un concert de la musique de Marjorie Martinez. Ses compositions, vous retrouverez ce même groupe le 20 février au Forum Nice Nord, en première partie de la chanteuse Robin McKell. Pour les autres concerts de la semaine, il y a aussi le groupe Cozy Corner qui sera ce vendredi au Théâtre de l'Impasse dans le Vieux-Nice. Le Boogaloo Jazz Quartet de Robert Amiac, Fred Dolsnis, Joe Kayat et Laurent Sarien qui seront au Seven Blue Bar de l'hôtel Aston au 7e étage ce vendredi 13. Samedi 14, il y aura le quartet de René Sopa à la Cave Romagnan, l'accordéoniste René Sopa qui travaille dans l'esprit de Frédéric Vial et bien sûr de Richard Galliano. Et il y aura également à l'espace Trinquette à Villefranche-sur-Mer, Badou, le chanteur percussionniste Badou, accompagné du pianiste Joe Kayat. Voilà pour l'essentiel des concerts de jazz de la semaine. A bientôt sur le Jazzophone. À la semaine prochaine.